Bonsoir à toutes et tous, euh, salut au chat. salut Urano, salut Kid Loco, salut Ishtar, salut Clouless, salut aussi Kiwi, salut Guillaume, euh, Re, bonsoir Julo18, faites comme chez vous, euh, venez poser vos questions, venez pousser vos coups de gueule, euh, venez euh, nous délivrer vos pans sur le bec, venez simplement dire bonjour ou bonsoir, euh, salut aussi euh, Kyle, salut euh, Julo, j'ai déjà dit salut, salut Skakoboro, Scaboro, pardon. Salut Icta, salut Sergio. Nous sommes le jeudi 5 octobre, il est 18h à Paris, il est 16h à Abidjan, il est déjà vendredi à Tokyo, il est 14h à Melbourne, il est 16h en temps universel et il est surtout l'heure que vous voulez sur Twitch. Bonsoir à toutes et tous. Ce soir, on va parler d'un petit archipel volcanique de 374 km. On va parler d'un petit groupe d'îles plantées dans l'océan Indien, dans l'hémisphère sud, entre l'équateur et le tropique du Capricorne, un archipel à mi-chemin entre l'Afrique et Madagascar, un archipel qui est au bout de la France, qui est un, qui est un bout de la France, puisque c'est un département français. Un archipel qui est donc entouré de pas mal d'eau, puisque c'est quand même grand, un océan, mais où ses habitants ont soif. Euh, un archipel où les épidémies de gastroentérique à cause du manque d'eau prennent des proportions dangereuses. Un archipel français où des écoles ferment parce que les robinets sont à sec. Un archipel français où les gens ne peuvent pas toujours se laver, ne peuvent pas toujours cuisiner, surtout où ils ne peuvent pas toujours boire de l'eau. Et c'est important de boire de l'eau parce que si on ne boit pas d'eau, ben on meurt. Cet archipel, c'est Mayotte. Mayotte, le 101e département français qui fait face à une situation de Sécheresse majeure, c'est la sécheresse la plus importante depuis 1997. Mayotte, où les Mahorais les Maoraises, les habitants de Mayotte, donc vivent ou tentent de vivre avec des restrictions d'eau deux jours sur trois. Avec le sentiment d'être un peu abandonné, le mot est faible, parce que manquer d'eau, ça pèse. Début septembre, le gouvernement a lancé un plan pour éviter qu'une crise sanitaire s'installe, avec dans ce plan des distributions de bouteilles d'eau, le déploiement de citernes d'eau. Euh, on va parler de tout ça ce soir, de Mayotte, loin de la métropole, loin de Paris, mais qui est aussi la France. On va parler de pénurie d'eau, de file d'attente pour aller chercher de quoi boire. On va, on va parler de, de services publics, on va parler d'abandon, on va parler de l'eau qu'on vend dans des packs d'eau à 10 euros pièce, on va parler de l'or bleu. On va en parler ensemble avec vous dans le chat et puis aussi avec trois invités. Euh, Estelle Youssoufa, bonsoir. Bonsoir. Estelle euh, Youssoufa, vous êtes députée Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire de Mayotte. Mmh. Madame la députée, bonsoir. Vous bonsoir. étiez tout à l'heure à Matignon, il me semble. Mmh. On va y revenir dans un instant. Euh, votre groupe parlementaire regroupe des députés de, du centre-gauche, du centre-droit. Vous êtes donc une députée d'opposition. Mmh. Euh, vous êtes née à Châtenay-Malabry en métropole, mais vous avez fait votre scolarité à Mayotte, à Mamoudzou. Euh, dans une autre vie, vous étiez journaliste, il me semble. Euh, en 2019, vous, vous faites connaître à l'occasion du mouvement social Mahorais, en prenant la tête d'une des branches du collectif des citoyens de Mayotte, un collectif contre l'insécurité liée à l'immigration comorienne et à la poursuite de la départementalisation. J'ai tout bon Oui. C'est Curier. Oui, bonsoir. Moi, moi. Toi, tu es web designer, tu es créateur de jeux vidéo, tu es originaire de Trois-Rivières en Guadeloupe. Tu as grandi dans les années 90. Ouais. Et c'est en quittant ta terre natale, il y a une dizaine d'années pour t'installer à Paris, que tu as pris conscience de la singularité d'être guadeloupéen. Oui, tout à fait. La Guadeloupe, bah, qui connaît elle aussi des problèmes de pénurie d'eau, on va y revenir tout à l'heure. Euh, Samora, tu as aussi et surtout créé un, un jeu vidéo. Oui, Coqueret. Coqueret, on va y revenir aussi mmh. pour alerter sur les enjeux de la pénurie d'eau en Guadeloupe. Mmh. On en reparle dans, dans quelques minutes. Et enfin, en face de moi, Thierry Gadeau. Salut Thierry. Bonjour. Thierry, toi, tu es, es journaliste, journaliste indépendant, d'investigation. Tu es l'auteur de, de Guadeloupe, l'île sans, sans eau, euh, paru chez Florent Massot. Exactement. Et, et ouais. notamment, et parmi plein d'autres choses, hein, d'un article mmh. que tu as commis chez nos amis de Blast, une enquête qui s'appelle Crise de l'eau à Mayotte, un problème foncier, une affaire politique. On va aussi y revenir dans un instant. Donc salut à tous les trois, salut à tous ceux qui nous ont rejoints, salut Guillaume. Euh, avant d'explorer les, les recoins du débat euh, sur cette pénurie d'eau à Mayotte, je vous propose d'aller faire un tour sur place, un tour en vidéo. Un, une vidéo que nous a envoyé hier soir Anthony Bulto. Anthony Bulto, il est coordinateur terrain de l'ONG Solidarité Internationale, une ONG qui intervient dans une vingtaine de pays. Qui est spécialisé dans les problématiques de l'eau et de l'assainissement. Il était à Mayotte, justement, Anthony Bulto. Euh, dès février 2023, face à la faiblesse de la saison des pluies, et malgré le fait que les projecteurs étaient tournés ailleurs, euh, on alertait déjà euh, sur le risque de cette situation et de cette crise. Euh, et aujourd'hui, malheureusement, on se retrouve dans une situation qui est catastrophique. Euh, en effet, on, on subit des coupures d'eau deux jours sur trois. Euh, et pour les personnes non raccordées, qui n'ont pas de robinet à domicile, euh, malheureusement elles n'ont souvent d'autres solutions que de se tourner vers des eaux de surface euh, des rivières lorsqu'il en reste ou des puits creusés euh, qui euh, ont une charge bactérienne importante et qui ont donc un impact sanitaire considérable euh, à Mayotte par exemple on constate une prévalence de 50 cas euh, de typhoïdes 50 fois plus de cas de typhoïdes qu'en métropole euh, on constate également la présence d'hépatite de, de gastroentérites aiguë, et Mayotte a déjà subi des cas de choléra par le passé euh, ce qui nous inquiète, c'est qu'aujourd'hui, euh, l'hôpital est en souffrance, euh, subit une forte pénurie de médecins et de personnel soignant. Euh, alors, oui, des mesures euh, ont été prises. Malheureusement, on estime qu'elles sont inadaptées euh, en situation de crise. La mesure la plus importante qui a finalement été prise euh, pour préserver la ressource, ça a été d'augmenter la fréquence des coupures d'eau. Euh, D'autres mesures ont également été prises. Malheureusement, euh, on estime qu'il s'agit de pansements sur une jambe de bois. Par exemple, des cuves ont été installées dans des euh, établissements scolaires, mais souvent non raccordés. Euh, des gourdes ont été distribuées aux élèves sans que ceux-ci puissent euh, les remplir. Ou euh, une unité de traitement de l'eau a été installée sur la rivière Foconi. Euh, mais celle-ci, en produisant 200 mètres cubes par jour, ne produit en réalité que moins de 1% des besoins euh, nécessaires à l'île. Euh, on regrette qu'on euh, ait assez peu d'informations sur les travaux en cours sur l'usine de dessalement de petites terres. Sur les forages qui sont supposés augmenter la, la, la capacité en eau de l'île et sur le colmatage des fuites qui représente finalement un tiers, quasiment un tiers de la perte en eau potable produite. Je coordinateur terrain de l'ONG Solidarité Internationale, qui parle donc de mesures, alors qui a fait un petit point de situation, on va y revenir un petit peu après. Euh, Estelle Youssoufa, vous êtes députée, vous siégez à l'Assemblée nationale. Elisabeth Borne a annoncé une série de mesures cet après-midi. Vous revenez le Matignon, Matignon c'est là où, où travaille la Première Ministre. Pour ceux qui ne savent pas, euh, qu'est-ce qu'elle nous a dit aujourd'hui, Elisabeth Borne Est-ce euh, que c'est satisfaisant Donc, euh, avec les, les parlementaires maorés, on était invité à avoir euh, la primeur, mais bon. Euh... C'était déjà sur le monde, donc on n'a pas eu la primaire, des annonces. Donc euh, le gouvernement est en train d'acheminer en masse des bouteilles d'eau pour distribuer à l'ensemble de la population. Ça va prendre quelques semaines avant d'arriver. Et les besoins en eau, ils sont quotidiens, immédiats. Donc euh, moi, je, je... ça fait des mois que je demande cette distribution à toute la population gratuite. Euh, de 1 et la deuxième mesure, c'est l'effacement des factures. Euh, donc euh, le gouvernement a dit. Euh, on ne payera plus les factures d'eau depuis de septembre à décembre, en l'état au jour d'aujourd'hui. je rappelle quand même qu'on a des coupures d'eau depuis des années et que la rupture de contrat, qui est le motif qui a été invoqué par la première ministre, oui, effectivement, il y a... Le distributeur d'eau ne distribue plus d'eau potable depuis un moment. Donc on ne devrait plus devoir payer de facture depuis un moment. Et euh, même si c'est une bonne nouvelle, voilà, moi j'aimerais qu'elle soit rétroactive, cette, 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 cette annonce. Et puis, euh, comment dire, ça ne répond pas. Euh, ces annonces, elles parlent de l'urgence, mais une perspective d'urgence avec une arrivée des bateaux euh, dans plusieurs semaines. Donc je ne sais pas si on a la même notion de l'urgence. Euh, et puis, euh, comment dire, euh, en fait, ça ne répond pas à une partie du sujet qui a été évoqué par euh, euh, la personne de, de, de l'association oui. humanitaire. C'est-à-dire que là, on est dans une situation de très, très grand péril sanitaire. Euh, et donc, euh, moi, j'avais demandé des distributions de pastilles de potabilisation pour l'eau, parce que les gens, en fait, stockent de l'eau. Une fois qu'elle est stockée, elle, le chlore et tout, tout ce qui la rend potable s'évapore. Si tenter qu'elle soit potable, hein, mais donc il faudrait des pastilles pour que les gens puissent les mettre chez eux. Quotidiennement. la deuxième chose tout le temps. Et la deuxième chose, euh, des, du gel hydroalcoolique, parce qu'en fait là, quand on parle de typhoïde, de choléra, etc., les gens commencent parce qu'il y a pas assez d'eau pour se laver ou quand on l'a, elle est boueuse, elle est pas propre cette eau. Euh, il faut qu'il y ait des, 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 des moyens pour éviter la transmission des maladies et, euh, et ça, bon, il n'y a pas de réponse comme il n'y a pas de réponse sur euh, la distribution de citernes à toutes les constructions en dur pour qu'on puisse euh, être prêt dans chaque foyer dès qu'il y a la saison des pluies parce que, en fait, l'idée c'est de diminuer la consommation en eau sanitaire qui n'est pas la même chose que l'eau potable. Donc le, le sanitaire, sanitaire c'est pour se laver C'est se laver, faire le ménage, euh, les besoins euh, pour les toilettes, etc. Cette eau, à Mayotte, par exemple, il n'y a aucune, aucun distinguo qui est fait. La production en eau potable est utilisée pour faire laver le sol. Alors que normalement, si on a une... une utilisation raisonnée, une consommation raisonnée, on arrive à faire le distinguo quand même. C'est quelque chose où en fait, on voit bien, dans des ex exemples extrêmes que sont Mayotte ou la Guadeloupe, qu'on est, mais à un retard, mais... Mais, mais abyssal dans notre réflexion nationale sur l'utilisation de, 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 de la gestion de l'eau. Et, et là, sur des territoires où il y a une rareté, euh, bah c'est criant. Et mais ça a des conséquences immédiates et dramatiques. Il y a déjà plein de questions sur le chat. Alors, on va revenir après sur ces questions-là, mais je vais les poser tout de même. Il y a. Il y a locaux Loco pardon, qui dit euh, pourquoi il n'y a pas ou est-ce que pourquoi ça n'est pas prévu qu'il y ait des, des stations qui transforment l'eau salée en eau potable. On va y revenir peut-être dans un second temps. Il y a, il y a qui lui répond parce que c'est une catastrophe de dessaler l'eau de mer. Et on le fait quand même en réalité. Euh, et Et euh, Volka qui dit c'est une catastrophe si on rejette le sel dans la mer. On parlera peut-être après dans un second temps du, du dessalement de, de l'eau de mer. Euh, vous avez Mais ça, mais chose? ça, mais ça par, pardon. Je, vais, je... Soulevé par exemple. J'ai expliqué que la question, du dessalement, si souhaitez... la question du dessalement, c'est qu'en fait, on prend de l'eau de mer et puis on la dessale. Ça pose deux sujets. Euh, ça pose le sujet d'avec quelle énergie, parce que c'est très, très, très cher, gourmand mais... en énergie. Donc, moi, j'ai expliqué qu'il fallait absolument qu'on utilise des énergies renouvelables et pas importer du carburant de colza qui aura une empreinte carbone débile. Mais de l'énergie renouvelable à Mayotte, c'est la géothermie de 1, mais comme aux Antilles en fait. Euh, et la deuxième chose, donc sur l'énergie, il faut que ce soit du renouvelable, sinon cette eau va être hors de prix, mais vraiment. Et la deuxième chose, c'est sur les rejets, donc la, la préoccupation environnementale qui est réelle. Mayotte, c'est un lagon fermé, c'est le plus grand lagon du monde fermé. Donc en fait, si on rejette ce sel, on va tuer notre Tout lagon. Donc il faut absolument que les rejets soient dans des canalisations qui aillent vers la haute mer au-delà de la barrière du lagon. Sinon, à Mayotte, ce sera une catastrophe environnementale. Et après, je pose la question maintenant, mais on peut y répondre évidemment après. Il y a Yamat qui posait ça tout à l'heure. C'est est-ce que ce qui se passe à Mayotte n'est pas le, le, les prémices de ce qui pourrait se passer dans d'autres endroits dans le monde à cause du changement climatique On en parlera peut-être dans, dans un second temps. Samora, Thierry, vous avez peut-être quelque chose à ajouter sur les, les annonces d'Élisabeth Borne ou sur la situation plus générale là pour commencer le, le stream euh, à Mayotte bah, Ces premières annonces sont bienvenues, mais ce qu'on pourrait dire, c'est euh, trop tard, trop peu. Comme l'explique Madame la députée, la question des coupures d'eau est de plus en plus longue, dure depuis maintenant quoi une vingtaine d'années, en gros, à Mayotte. Euh, la crise de cet été a été annoncée dès le mois de février, début mars, par le préfet de Mayotte, et l'État n'a rien fait. C'est ça qui interroge surtout. Pourquoi avoir autant tardé, pourquoi avoir attendu début septembre pour envoyer le ministre délégué de l'Outre-mer, annoncer des premières mesures et avoir freiné des cas de fer, avoir refusé pendant des mois l'effacement des factures, avoir refusé de distribuer à toute la population de l'eau Pourquoi avoir, avoir tant tardé C'est ça qui est incompréhensible. Les coupures vont continuer Bien sûr. Mais il y a des coupures d'eau quand il y a la saison des pluies. Hein. Nous, on a beaucoup de mal à entendre le discours officiel là, de dire qu'en fait, quand tu auras la pluie, ça va revenir à la normale. La normale à Mayotte, c'est des coupures d'eau. Euh, parce faut, que quand il y, y a la pluie, que... ça pollue. Donc les... Non, parce qu'il y, y a un déficit structurel de la production en eau potable à Mayotte. Les besoins évalués, c'est entre 42 000 et 44 000 m3 par jour. Ça, c'est la consommation, les besoins de l'île. La production à date, quand tout fonctionne et qu'il y a de l'eau et de la pluie, c'est euh, 38 000. Donc on a déjà un gap. Donc on a des coupures d'eau quotidiennes à Mayotte, même quand il pleut. Donc c'est pour ça qu'en l'occurrence, la sécheresse a bon dos. Ça ne veut pas dire que c'est pas un facteur. C'est un facteur aggravant sur un système qui est... Sous-calibré par rapport aux besoins. Et on peut ajouter que sur les 38 000 mètres cubes d'eau produites chaque jour quand tout fonctionne bien, il y a un tiers qui s'évapore dans la nature puisque les tuyaux sont percés. Non, ça, Donc... je crois pas un instant, mais on peut en débattre. <laughs> ben c'est non, le non, moment. Mais, ben non, mais parce qu'en parce qu en fait, ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'il y aurait à Mayotte évaporation d'un tiers de, de la consommation, de la production d'eau potable. Le, le, la logique de fuite, c'est sur des bâtiments qui sont anciens. Et des canalisations qui sont anciennes. Les bâtiments en dur à Mayotte n'ont pas plus de 30 ans. Donc en fait, soit il y a un vice de forme euh, qui, qui relève, et, et vu l'ampleur, oui. vu, vu un, un vice de forme extrêmement grave qui est quand même passible de poursuite, parce que c'est de la malfaçon industrielle. Soit on admet que, comme pour l'électricité, vous avez la moitié de la population qui est illégale qui vit dans des bidonvilles et qu'eux, ils ont accès à de l'eau qu'ils pompent illégalement. Mais donc c'est du trafic, c'est pas de la fuite. Elle est, Cette eau, elle est vendue par des propriétaires, elle est facturée et elle alimente des foyers qui n'ont pas d'existence légale. Mais il doit y avoir la même proportion comme ailleurs de fuite. Mais certainement pas dans des proportions, sinon on est une armée de, de plombiers complètement incompétents sur une île avec une uniformité assez, assez, assez alfinante. Thierry, je, je vois que tu ne souscris oui. sous pas forcément à tout ce que... Oui, alors en, en fait, alors, je peux répondre que sur l'aspect infrastructure... Et matériaux utilisés dans le développement des réseaux d'adduction d'eau dans les années 80-90, début 2000, notamment sur toute la partie finale du réseau. On a beaucoup utilisé un matériau qui s'appelle le PEHD et qui ne résiste pas aux conditions d'exploitation des îles tropicale française, que ça soit Mayotte ou que ce soit les Antilles. Ce, ce matériau était vendu par les euh, industriels pour durer minimum 20 ans. En fait, il ne dure que 5 ans. C'est là où je produis l'essentiel des fuites. Par ailleurs, l'entretien des grosses canalisations... Là aussi, compte tenu de la, du caractère euh, sismique et des conditions euh, climatiques qui sont quand même très particulières, demandent un entretien beaucoup plus important pour éviter leur usure et euh, obligent à des remplacements beaucoup plus euh, rapides qu'en métropole. Et malheureusement, euh, l'opérateur du service d'eau et d'assainissement... Uh, au, à Mayotte, qui est le groupe Vinci, a uh, fait un peu, a fait comme à la Générale des eaux... quelqu'un qui demandait dans au le chat c'était Vinci hein. qui s'occupait effectivement ouais. du, uh, du, a du a réseau. Fait comme, la, comme la Générale, le minimum, le strict minimum pour que ça fonctionne, mais surtout sans investir suffisamment pour maintenir en bon état les infrastructures. Donc il y a ces deux problèmes sur les infrastructures, hein, qui expliquent le niveau de, 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 de fuite Merci Thierry. Alors, on répondra après à cette question-là, c'est peut-être une partie du problème, c'est vous qui me le direz. Il euh, y a Anguisseur 77 qui dit le problème à Mayotte, c'est la corruption des élus locaux, le clientélisme et parfois euh, le, client, le clientélisme communautaire avec les clandestins maorais. Est-ce qu'on en parle tout de suite ou est-ce qu'on en parle après Il n'est pas clandestin à Mayotte. Hein. Juste un, un clandestin euh, par définition à Mayotte, c'est un comment, rien. Le... qu'il que y a un sujet de, de corruption, c'est évident, mais en fait la, la crise de l'eau à Mayotte, elle est, euh, elle est deux multiples oui, pardon, facteurs. angoisseur, dit pardon, je voulais dire comment voilà. donc, euh, mais, mais sur le fond, euh, comment dire, euh, la question de dysfonctionnement et de la corruption au sein du syndicat des eaux, euh, qui est donc piloté par les élus locaux, elle est sous enquête du parquet national financier. Donc c'est enfoncer une porte ouverte. Pour moi, et je, je suis très claire par rapport à ça. La corruption à Mayotte, elle n'est pas plus importante qu'ailleurs. Sauf qu'on peut pas se le permettre. En fait, à Mayotte, comme il euh, n'y a pas d'infrastructure, chaque euro qui part, ce n'est pas de, de l'argent sur du fonctionnement. Parce que, juste pour qu'on soit bien clair, que ce soit l'eau, euh, l'assainissement ou euh, les poubelles, c'est un grand classique de la corruption politique, politique française. Ça hein, fait 40 ans que ça dure. Ce n'est pas une invention mahoraise. La différence, c'est que nous, on a un syndicat des eaux qui a à charge la construction d'un réseau, ce qui n'est pas le cas des, des syndicats des eaux dans l'Hexagone, parce qu'en fait, ils héritent d'infrastructures dont ils doivent assurer le maintien ou le renouvellement. À Mayotte, c'est de la construction. Ça, c'est quand même assez exceptionnel. C'est une charge qui n'est pas du tout faite euh, pour. Le, le, notre syndicat des eaux n'est pas fait pour construire un réseau. Structurellement, c'est pas ça. La deuxième chose, c'est que déjà, il est sous-financé. Et par-dessus, on va aller, euh, même si, si vous prenez de la marge sur l'importance de la mission en question, bah, c'est tout de suite voyant. Et puis, effectivement, on a laissé faire. Moi, je rappelle quand même que euh, euh, le rapport de la Cour des comptes, la Cour régionale des comptes qui dénonce euh, le, la corruption au sein du syndicat des eaux, je rappelle que chaque opération à Mayotte d'argent public est validée par la préfecture. Il n'y a pas une dépense qui n'est pas validée par la préfecture. Il n'y a aucune aucun article 40 qui a été déclenché par la préfecture de Mayotte pour dénoncer les asignaires. Il faut expliquer à le ce qu'est la mise en œuvre de l'article 40. L'article 40, c'est qu'un haut fonctionnaire est obligé par la loi de dénoncer toute infraction euh, ou tout euh, toute acte illégal. À Mayotte, moi j'ai une grande cécité au niveau de la préfecture de Mayotte, qui nourrit le ressentiment de la population, parce qu'on considère que cette corruption se fait avec l'assentiment passif de l'état et que maintenant, c'est très facile d'aller dire les élus sont corrompus, mais en fait, c'est au vu et au su de tous. Nous les citoyens, moi j'étais à la tête d'un collectif citoyen pendant des années. Euh, on a interpellé le procureur qui a refusé de s'en saisir. On a interpellé euh, l'autorité préfectorale qui a refusé de s'en saisir. Moi, j'ai dû euh, utiliser mes relations personnelles pour que la Cour des comptes fasse un rapport. Qu'après, le rapport de la Cour des comptes, ça a mis un temps infini. Le procureur à Paris, à, à Mayotte, s'en est pas saisi. J'ai dû appeler le parquet national financier pour dire vous voulez bien euh, un tout petit peu agir Donc, si vous voulez, euh, cette corruption, elle est notoire, elle est visible et elle a des conséquences réelles. Et vous ajoutez à ça un sous-investissement de la part de l'État, parce qu'il ne faut pas tout laisser porter à, 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 aux élus locaux, plus la sécheresse. C'est une combinaison de facteurs. C'est mon je te voyais acquiescer. Oui. Oui, tout à fait. Bah, en fait, euh, c'est un peu ce que je disais euh, récemment. J'avais fait un live avec euh, une, une journaliste euh, maoraise pour faire un peu le parallèle entre nos situations. Avec la Guadeloupe, donc Oui, oui mmh. avec la Guadeloupe. Et euh, je trouve qu'en Guadeloupe et Mayotte, il a, y a un aspect un peu il miroir euh, mmh. sur ces, sur ces questions. Et, euh, et effectivement, le, le côté multifactoriel de cette crise euh, le, rend le, le sujet encore plus complexe. Parce que ce, si on pouvait dire que c'est un élément mmh. qui est responsable, on règle ce problème et c'est fait. Le problème, c'est que déjà, depuis 50 ans, euh, en Guadeloupe, on a un réseau. Euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui devient vétuste et qu'on et qu a eu la générale des eaux qui a fait, comme je disais, le strict minimum et même, même presque rien. Quoi. On a eu le syndicat qui, faisait, qui utilisait l'argent pour faire des fêtes de l'eau euh, royales, selon Amélie Hernandez, l'ancien patron de ce syndicat, euh, au lieu de s'occuper de, de la gestion de l'eau. On a euh, oui, des, des matériaux même qui sont utilisés qui ne sont, qui sont pas les bons. Il enfin, y a tellement de choses, on ne sait pas par où commencer. Et du coup, ce qui se passe, c'est que pour régler ces problèmes-là, on met beaucoup de pansements. Euh, ah bon, on va euh, résoudre une fuite, on va réparer une fuite. Mais en fait, il y en a 300 par mois sur le réseau et ça, c est, c est, ça ne sert à rien. Enfin, C'est comme euh, essayer de. De, de, de sauver un bateau de, 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 de la noyade en enfin, prenant un saut, mais en fait, il y a de l'eau qui rentre dedans encore. Puisque je t'ai sous la main, <coughs> pardon, Samora, ça t'a donc inspiré, je crois, un jeu vidéo que tu as co-créé oui, pour sensibiliser le, le grand public au, mm -hmm. au scandale de l'eau actuellement aux Antilles. Euh, Peut-être que Cyril, tu peux passer la courte petite présentation du jeu vidéo de Samora. Bon, on voit pas grand chose pardon les, les modos peuvent mettre le, le lien que, que je leur ai filé tout à l'heure qui renvoie vers, vers ta page ton jeu ça s'appelle au secours ouais. o -O E A U oui. euh, ça consiste en quoi alors en fait au secours euh, c'était un peu euh, un jeune un groupe de jeunes enfin de, de, de jeunes jeune ou moins jeunes moi j'ai 33 ans maintenant donc ce que je suis encore jeune je sais pas euh, <laughs> très jeune de, 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 de what, le Guadeloupe <laughs> ouais, et, et on se dit euh, voilà actuellement je suis dans l'Hexagone euh, quand je rentre je rentre environ euh, tous les six mois un an euh, au pays et la situation n'évolue pas. Euh, depuis, on va dire, 5-6 ans, c'est vraiment même une catastrophique. Euh, on se sent impuissant. Il euh, y a des, des reportages qui sont faits, il y a des, des gens qui manifestent, des collectifs qui se montent, et pourtant... On a l'impression que c'est une sorte, de ça, ça n'avance pas. Et, et comme on se sent impuissant et qu'on veut aider et qu'on veut que ça, que le sujet ne tombe pas dans l'oubli. Ça change. Voilà, on essaie de faire un, un petit, un autre moyen de, de communiquer là-dessus et on se dit, ben moi je suis fan de jeux vidéo, donc j'ai dit vas-y euh, essayons de faire un jeu vidéo pour sensibiliser. Donc le jeu vidéo c'est vraiment un outil de, de, de discussion, de créer du débat autour. Et donc c'est un puzzle game où on va aider un petit garçon qui s'appelle Toupit, hein, Toupiti en créole, qui va euh, euh, avoir le pouvoir de moment donc une déesse de l'eau une singe grande sirène géante qui aurait donné pouvoir de créer un réseau d'eau alternatif pour contrer le réseau d'eau euh, complètement pourri du général desode le méchant euh, du jeu <laughs> et euh, et, euh, et en fait voilà on va on va essayer de de ben, ce petit garçon euh, va essayer de, de régler le problème par lui-même va-t-il y arriver ce ben, sera au joueur de, de le faire alors pour financer la création de ce, de ce jeu vidéo tu as lancé une cadeau, tu peux aller voir si vous avez... Je pense que le but est à temps. Vous êtes à combien là Il vous faut combien pour, euh, en pour fait, mettre ça en œuvre En fait, pour, pour, euh, pour, pour être très honnête, on a eu un peu peur. On s'est dit que le sujet n'attirerait pas parce que c'est un sujet euh, complexe. Visiblement, il attire. Ouais, c'est ça. <laughs> on, a, on avait dit 2000 euros. Sachant que 2000 euros pour faire un jeu, c'est rien, mais on, on allait le faire quand même. Et en fait, là, on est à 11 830, 8, 800. 11 700, et, euh, et on vise ben, le plus possible. Donc, on, on se dit qu'il reste encore 33 heures. Peut-être qu'on peut faire 12 500, 15 000. Bon, les, mo euh, les modos vont mettre le lien vers la canotte. C'est sur Ulule, il me semble. Hein. Ça. Les modos, vous pouvez mettre le, le lien vers la, la canotte. Euh, ça. Samora. Si, si les gens du chat qui sont présents mettent tous 5 euros <laughs> dans la canotte. <laughs> non, en fait, l'idée, c'est de voir ouais, jusqu'où on peut arriver avec, cette, avec ça et permettre... Ben, de, vous voyez la musique qu'on a écoutée, la magnifique musique, ben, c'est un artiste qui nous l'a fait. Il euh, y a de, de Kevin KKJP qui a fait le, toute le, la direction artistique. Euh, Lucas RM qui fait le, le développement. Moi, je m'occupe du scénario et de la com et de l'histoire. Tout, tout ce qu'il y a autour de l'histoire du jeu donc euh, se, se payer un minimum parce que le jeu au final sera gratuit euh, sur les sur euh, mobile et sur PC il y a Scabora il y a Belle Tonton qui nous a rejoint euh, salut et il y a Volca j'ai dit bonjour aussi salut Volca euh, bienvenue installez-vous euh, dans ta présentation euh, donc c'était sur ta cagnotte Ulule tu, tu tu écris donc je te cite avez-vous déjà imaginé ce que c'est que de vivre sans eau pendant trois jours imaginez que cela se répète toutes les semaines imaginez-vous imaginez-vous sans une seule goutte pour boire cuisiner vous laver à devoir enchaîner des packs d'eau au coût exorbitant, ça ressemble très fort à Mayotte, cette histoire. Oui, ouais, tout à fait. Mais en fait, c'est ça. Euh, la différence de Mayotte, je dirais, c'est que c'est pas égal partout. Euh, c'est peut-être ça qui fait oui. qu'on qu n'arrive pas à avoir une, une aussi grande cohésion, je trouve, qu'à Mayotte. Et c'est assez admirable ce que, ce que la population fait là-bas. C'est qu'il y a des zones euh, qui sont très durement touchées. Par exemple, moi, Sud-Bastère, Trois-Rivières, Bastère, Baïf, pour ceux qui connaissent, euh, euh, Capestère aussi, on est très touchés. Euh, Saint-François, donc là, à, à, à l'Est, euh, on, on a aussi très touchés. Mais En fait, il y a des zones où les gens n'ont pas de problème d'eau, donc ils se disent, moi, j'ai pas de problème, ça va. Et c'est ça, souvent, le. C'est de moins en moins vrai, malheureusement. Mmh. En fait, à part quelques, deux, deux ou trois villes qui sont sur la côte ouest mmh. de, de, de Basse-Terre, donc euh, c'est là où il euh, y a la soufrière, mmh. euh, tout le reste de l'île est maintenant concerné par les tours d'eau. Oui, oui. euh, et, et, et par l'effondrement de la qualité de l'eau aussi, puisqu'il y a beaucoup d'arrêtés en ce moment. Qui interdisent la consommation d'eau potable en Guadeloupe, possible pour les mêmes raisons. Alors, ou un peu différentes, il y a le chlordécone en plus, et puis il y a aussi de l'alumine. Ouais. Mais voilà quoi. Ouais, on a des, des coupures, euh, comme je disais, pour le chlordécone, pour des bactéries écolies, euh, e. etc. Mmh. On a l'aluminium dans l'eau. Donc des fois, quand, quand l'eau arrive à des endroits, bah, en fait, les gens ne peuvent pas la boire. Et, parce parce qu'elles se brosser les, pas, les dents Oui, c'est ça. Mais je pense que c'est vrai que c'est très difficile pour les hexagonaux d'imaginer un quotidien sans eau. En fait, c'est tellement, euh, tellement impensable, la charge mentale que ça représente. Euh, pour, euh, souvent, je, moi, je, je, voilà, vous vous levez le matin, vous regardez sur votre portable quand que, dans quelle zone de l'île est-ce qu'il y a de l'eau. Vous vérifiez quand même que par hasard, il n'y ait pas de l'eau euh, alors que c'est prévu mmh. que ça coule. Après, vous regardez, nous, on a des groupes WhatsApp où on sait euh, dans quel magasin il y en a. Donc, tout de suite, on s'organise. Euh, vous regardez euh, où vous en êtes par rapport à votre linge pour euh, faire les machines. Euh, si vous avez un bébé en bas âge qui est une machine à caca, en fait, euh, vous avez des, ma des, des machines euh, une quantité astronomique. Sinon, bah, vous faites une toilette de chat avec euh, de l'eau qui a été euh, stockée dans des seaux euh, dans une zone tropicale. En fait, ça devient des bassins de culture pour les moustiques. Donc, en fait, c'est vraiment pas du tout recommandé. Ouais. Euh, cette eau, elle est croupie, donc plus vous avez des coupures longues, moins elle est saine. Euh, le problème, c'est que vous vous dites, comme vous ne savez pas quand revient l'eau, vous stockez quand même beaucoup, parce que vous vous dites, en fait, il va manquer. Nous, à Mayotte, les calendriers de coupure ne sont jamais respectés. Donc, euh, et ça, en fait, c'est. Ils sont le communiqués gap. combien de le temps gap. à l'avance, ces calendriers C'est jamais communiqué. C'est toujours la loterie. Donc, mais oui, mais c'est en fait, c'est très usant. Parce que, ouais. en fait, vous avez euh, cette espèce de calendrier, la, la communication officielle, et puis la réalité des coupures. Donc, nous, on a tous nos groupes euh, villageois, et on dit Ah ben bah là, il y a plus d'eau, ou alors attends, maman, c'est revenu. Euh, ça, 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 ça rend fou. Après vous avez les, les communications qu'on a entre groupes citoyens, c'est vrai que la technologie elle change beaucoup de choses parce mmh. qu'en fait on se dit on s'appelle, on dit bah là il y a de l'eau à tel endroit, on prend les photos des stocks dans les supermarchés, on compare les prix, qui sont officiellement contrôlés mais en fait ils ne le sont pas. Et puis on développe toutes les manières euh, parallèles de s'approvisionner. Donc vous avez sur les rampes gratuites de distribution d'eau ben, des gens qui font du commerce, qui remplissent des jerrycans et puis qui vont vous livrer chez vous, de l'eau qui est distribu... distribuée gratuitement, qui en fait devient euh, monnayable. Vous avez euh, des entrepreneurs, euh, béni soit-il, qui en fait importent de l'eau, ce qui est totalement illégal par conteneur. Donc on achète des palettes. On se cotise un foyer va se cotiser nous on a souvent des on est plusieurs familles dans une seule maison donc euh, ben tout, toute la fratrie va se cotiser et puis euh, on se dit ben il faut qu'on ait euh, deux trois palettes parce que c'est cher une palette c'est 450 500 euros vous vous développez ça après vous êtes en train de vous dire euh, je peux vous dire hein, parce que j'ai réfléchi ben, en fait il faut trouver des citernes mmh. Que, en fait, c'est beaucoup plus cher que dans l'Hexagone. Donc, vous regardez euh, sur les importateurs, est-ce qu'il y en a Est-ce que c'est à hauteur euh, Et là, vous êtes en infraction avec la loi, parce qu'en fait, la RS interdit de connecter des foyers privés. La de c'est l'agence ah ouais. régionale de ouais, santé qui a un petit peu de, la santé de, sur le marché. Oui, de mettre des citernes, parce qu'elles ne doivent pas être sur le réseau euh, de consommation. Ah, ouais. euh, c'est un système parallèle. Pour, euh... Donc, euh, vous devez chercher quand même un plombier qui sache le faire donc il y a ce, cette, cette, petite, euh, cette petite gymnastique intellectuelle. Et puis là, maintenant, on en est tous à Mayotte avec la nouvelle mode, c'est d'acheter euh, le capteur d'humidité qui va euh, faire, de, avec l'humidité dans l'air, qui va faire de l'eau qui n'est pas minéralisée du tout. Et là, bah, la petite chose, le petit outil qui fabrique 25 litres d'eau, euh, c'est 2000 euros à Mayotte. Une, une comment s'appelle, une citerne de 500 litres, c'est... Euh, au total, 1 500 euros avec l'installation. Dans, dans un pays. Dans, 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 dans une île où il y a 77%, où il y a 77 de pauvreté. De pauvreté. De gens qui vivent Mais en fait, en là, le budget, moi, je l'ai calculé pour 4 personnes, un foyer de 4 personnes, c'est environ 300 euros juste en eau minérale par mois. C'est énorme. C'est en dehors des factures, hein parce qu'on continue à être facturé ouais. jusqu'à cette annonce du gouvernement. Euh, et l'eau à Mayotte, c'est de l'eau de milliardaire, parce qu'elle est très chère, elle est boueuse, elle est, elle est dégueulasse, elle est jamais dans votre robinet, mais elle est extrêmement chère, parce que figurez-vous que l'air fait tourner le compteur. C'est ce qui est merveilleux. L'air fait tourner le compteur L'air oui. fait tourner le compteur, donc en fait, euh, le compteur d'eau tourne quand vous avez la coupure, et donc, on est facturé pour de l'eau qu'on n'a pas au robinet. Vous voyez, je pense qu'en en fait, c est, c est, je vais dans la granularité et, et le, le détail du quotidien pour vous montrer ce que ça signifie pour nous. Et que vous êtes en train de vous dire, bah, on va acheter des lingettes, catastrophe écolo. Euh, on va acheter des bouteilles d'eau, euh, catastrophe écolo, parce que, parce que maintenant, il n'y a, a pas de collecte. Il n'y a, pas de, y a ouais. rien pour euh, les bouteilles d'eau. Et puis, euh, quand même, il y a des grands distributeurs qui avant distribuaient des des bouteilles de 5 litres et puis en fait au fur et à mesure que la crise avance on va des, des bouteilles de plus en plus petites parce que c'est quand même hum. beaucoup mieux de vendre de plus en plus cher Mais euh, là où c'est euh, c'est fou c'est que là où il y a une inégalité qui est assez euh, criante c'est que j'en suis sûr et certain je le dis souvent mais euh, et ça fait un peu peut-être raisonnement euh, un peu de, 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 de café ou de, de mais, mais je pense vraiment c'est que si en hexagone une, une ville ou un département euh, avait comme ça, quotidiennement, trois jours par semaine, pas d'eau, ça durait une semaine et demie. Hein. Les, les oui, gens, mais euh, il y a Volca, justement, c'est la dernière personne oui. qui, qui commande qui dit c'est quand même incroyable que les bâtiments officiels n'aient pas encore cramé c'est-à-dire que, que les gens ne se soient pas encore révoltés de manière non, violente, c'est ça, c est c est un ça un qui veut dire. Riche. Moi, je vais vous dire parce que ouais. tout le monde me dit ça. Ça, c'est un sport de riche de brûler des infrastructures. Il ne revient pas. Hein. Non, non, mais, mais je vais vous dire parce qu'en de... fait, nous, à Mayotte, il n'y a pas un fonctionnaire, il n'y a pas un bâtiment qui n'a pas été l'objet d'un long combat politique. Aller cramer des trucs dont on sait qu'ils ne seront jamais remplacés, euh, on ne peut pas se permettre ça. Ouais. C'est un peu différent en Guadeloupe. Je pense qu'en Guadeloupe, le peuple est. est... On est, on est quand même reconnu pour être un peu, un peu mmh. beaucoup révolté, ou peut-être trop révolté, mais c'est comme ça, on est comme ça. Et, euh, et les gens ont, se, se révoltent, se sont révoltés à un moment donné, mais je pense qu'aujourd'hui on est épuisé. Les gens sont résignés un peu de cette situation. Et puis, euh, comme on a une, une grande résilience, le système D euh, a, a commencé à à devenir la, récu la récurrence et la normalité. En fait, le nouveau normal, c'était d'avoir bah, ses bassines, d'avoir ses bouteilles. Euh, si moi, j'ai une, euh, une citerne, bah, ça va, ça règle le problème, plus ou moins. Euh, et et je pense que il y a encore des gens qui, qui, sont, qui sont mécontents. Mais c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à des choses beaucoup plus, euh, beaucoup plus dures chez nous. Mais pour, euh, voilà. Alors, Samo, on va mettre une petite bonne nouvelle. Hein. Oui. Ta cagnotte est à 12 000 euros 94. Ah super Je te dis belle tonton qui te salue par ailleurs merci belle tonton <laughs> Thierry ton paru, ton, ton, paru, ton papier paru dans Blast s'appelle crise de l'eau à Mayotte un problème foncier et une affaire politique pourquoi c'est un problème foncier et pourquoi c'est une affaire politique euh, bah ça évidemment chez lui les confrères et j'ai suivi la crise euh, enfin l'aggravation de la crise de l'eau à Mayotte et j'avais un problème la plupart des papiers racontés de façon très bien et il euh, fallait documenter Documenter cette crise et l'impact sur la vie quotidienne des gens, mais il n'y avait pas de papier dans lequel on expliquait le, le, les causes profondes de cette crise, au-delà de euh, ce manque de pluie durant la dernière saison des pluies, etc. Et donc, euh, ben bah voilà, j'ai euh, décidé d'essayer de comprendre pourquoi. Euh, il, cette crise existait alors que ça fait 20 ans que la question des infrastructures, de l'insuffisance des infrastructures à Mayotte est posée. Et donc euh, voilà la conclusion à laquelle moi j'arrive. Donc euh, peut-être que je me trompe, c'est que euh, euh, l'une des raisons, c'est qu'une troisième retenue collinaire pour justement récupérer les eaux de pluie durant ah, la tu saison. Il ce euh, que c'est qu'une retenue collinaire. Euh, ou... euh, voilà, c'est un grand barrage dans lequel quand il pleut, bah, il se remplit et il permet ensuite de produire de l'eau potable. Euh, donc cette troisième retenue collinaire qui a été annoncée au début des années 2000 n'est toujours pas construite. Et elle n'est pas construite, il me semble, pour des raisons politiques, après, Madame la députée, vous pourrez me dire si, si j'ai raison ou tort, mais le, le, le terrain sur lequel, enfin les 70 hectares euh, euh, qui ont été identifiés, pour accueillir cette retenue collinaire. 15 hectares appartient à la famille de monsieur Younousa Bamana, qui, est, qui était le grand patron politique de l'île. Et apparemment, ça pose un problème de négocier avec sa famille. Puisque, à ce jour, les négociations ne sont toujours pas terminées. Notamment son non, non, fils. C'est vrai si que, tout que bien je compris. Suis, suis, suis assez... Euh, et je suis contente d'être avec vous sur ce plateau, parce que je pense que c'est une analyse... Euh, qui, qui Il ne vous pas... convient pas, madame la députée Non, mais qui n'est pas juste factuellement. Parce qu'en en fait, euh, le comment dire, la famille Bamana, donc euh, monsieur Bamana est quand même le père de la départementalisation à Mayotte, c'est effectivement pas du tout euh, juste un baron, je pense que c'est un peu réducteur. C'est quelqu'un qui, euh, comme beaucoup de Mahorais, euh, était polygame, donc sa descendance est nombreuse. Euh, ce n'est pas un fait politique, c'est un fait euh, social. De 1. Donc comme toutes les familles et tous les héritages, euh, je ne vois pas au nom de quoi la, les enfants Bamana se priveraient de leurs biens. De 1. De 2 sur l'héritage en question. Euh, cette question du vivant de Bamana, de la troisième retenue collinaire, donc c'est pas seulement d'il y a 20 ans, ça fait 30 ans que ça dure, cette histoire de retenue collinaire. Bamana avait dit que ces terres étaient destinées à euh, la construction de la retenue collinaire. Donc il n'y a pas l'ombre du début d'une ambiguïté de la part de la famille Bamana. Par contre, L'État n'a à ce jour fait la première offre pour acheter ce terrain qu'il y a que quelques semaines. C'est à dire que ça fait 20 ans que le gouvernement oui oui mais vous voyez c'est à dire qu'en fait c'est pas, pas une question euh, c'est pas, pas que les, les héritiers ne veulent pas vendre c'est que l'état quand il s'agit de mettre l'argent sur la table ne le fait pas. et en fait pour nous euh, Mahorez et maoré, de 1 aller attaquer la famille Bamana, euh, qui, parce qu'ils sont nombreux, ne sont pas univoques, c'est quand même assez facile. Alors que pour moi, qui suis euh, dans l'hémicycle, qui ai posé la question au ministre Carinco, qui a affirmé à la représentation nationale qu'une offre avait été faite sur la retenue collinaire et que des mois après, elle n'est toujours pas faite, offre qui a été euh, communiquée, qui a été. Et en fait, non. C'est-à-dire que moi, ce que je constate. Maorez sur le terrain connaissant la famille Bana ayant comme interlocuteur le gouvernement dont je contrôle l'action il y a une famille qui dit on est prêt à vendre on attend toujours l'offre offre qui n'a jamais été chiffrée et ça dure depuis 20 ans. Et un gouvernement qui répète à l'envie, c'est de la faute des Bamana, mais qui n'a toujours pas fait d'offres chiffrées. Donc en fait, factuellement, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal par rapport à l'article que vous avez publié, parce que c'est assez facile d'aller euh, crier au complot politique et que ce serait une famille intouchable. En l'occurrence, c'est pas le cas. On et parle de la défense. Je, 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 je <laughs> crie pas au, au complot politique. Il y a un point d'accord euh, avec Madame la députée, c'est que l'immobilisme de l'État. Dans ce dossier criminel, parce que normalement, ouais. sur une infrastructure essentielle, vous, êtes, qui... vous, êtes, vous, êtes, vous êtes au moins ah d'accord là-dessus. Oui, oui. Vous avez un d'accord <laughs> là-dessus. Sur sur une infrastructure essentielle, qu'est-ce qui se passe euh, L'État fait une déclaration d'utilité publique, qui enclenche un processus d'expropriation. Et de dédommagement, c'est-à-dire que la valeur des biens est calculée par France Domaine, qui est un donc établissement public. donc, c'est l'État qui, euh, qui, qui, qui rachète, qui oblige à la vente. Hein, et, et, un, exactement. C'est une des prérogatives de l'État, c'est le forcer à... Pour, pour cette retenue collinaire, ce processus aurait dû être déclenché il y a bien longtemps, ça n'a pas été le cas. Jusqu'à ce jour. Hein. Jusqu'à ce, jusqu ce jour. Jusqu'à ce jour, jusqu'à aujourd'hui. L'une des informations qu'il y a dans mon papier, c'est que l'établissement public foncier qui s'occupe de ces négociations a annoncé que le syndicat des eaux avait de, venait de déposer cette déclaration d'utilité euh, publique. Donc le processus va peut-être s'accélérer. Après, concernant la famille Bamana, moi ce que je vois, ce que je lis des, des écrits de l'un de ses héritiers, l'un de ses fils, Zaïdou, les conditions posées euh, pour euh, aboutir à un accord me paraissent quand même assez euh, extravagantes, le terme est un peu fort, mais disons, ne vont pas dans le sens de faciliter les négociations. Euh, donc voilà, moi les questions que je me suis posées, okay. c'est pourquoi cette dupe n'avait pas été déposée il y a bien longtemps et pourquoi il n'y a toujours pas de négociations qui ont abouti entre euh, la famille Bamana et euh, d'abord le syndicat des eaux, puisqu'ils ont d'abord négocié avec lui et puis maintenant avec euh, euh, l'établissement public. L'établissement public m'a dit officiellement qu'il n'y avait aucun accord avec la famille Bamana à ce jour, à ce jour et que sur les 60. Sur les autres terres, donc, euh, c'est 70 hectares, il y a 15 hectares qui appartiennent à la famille Bamana, et donc sur les autres, l'autre partie, euh, il y a environ 60%. Euh, des propriétaires qui sont d'accord maintenant pour vendre mais on est encore loin du 100% quoi donc c est, c est, et ça fait 20 euh, enfin le site a été identifié en 2009 donc euh, on voit 12 ans 13 ans pour négocier quelque chose alors que quand l'état veut construire une infrastructure en france par exemple un, un, une autoroute totalement inutile et climaticide entre castel et toulouse bah ça se fait tout de suite quoi donc euh, voilà, donc moi j'ai posé des questions, j'ai pas j'ai pas affirmé de réponse. J'ai posé des questions parce que manifestement, il y a des problèmes de différentes natures. Qui sont par rapport au comportement de l'État, et ça, il n'y a aucun doute, mais peut-être aussi au sein de la population ou de la classe politique mahoraise, qui peut-être a des difficultés d'accepter de se séparer de ces terres. Après, c'est respectable. Moi, je comprends qu'on est attaché à sa propriété, qu'on ne souhaite pas la vendre, d'autant plus qu'il y a la maison de M. Bamana qui est construite. Donc, je comprends tout à fait. Mais en même temps, c'est une infrastructure essentielle. Et à un moment ou à un autre, il va falloir que ce sujet soit débouclé. Estelle Youssoufar Non, je pense que, en fait, c'est. Moi, je suis très gênée avec le fait de mettre en pâture le nom de la famille Pamanat dans cette affaire, parce qu'en l'occurrence, moi, je ne vois pas comment est-ce qu'une famille peut négocier quand il n'y a pas d'offre. Je pense que vraiment, je, je suis désolée de rappeler quand même le, le principe de base, euh, l'espèce le, de ping-pong entre le syndicat des eaux euh, et l'État. Moi, je suis euh, en, en, en face à face avec le gouvernement. C'est le préfet à Mayotte qui doit faire la DUP en question. Et ce sont les services de l'État qui doivent le faire. La DUP faire. qui en est fait, la déclaration euh, d'utilité publique et entamer les travaux pour l'expropriation. Et le, le représentant du gouvernement à Mayotte, le préfet, a, ça a fait des années, les préfets successifs disent tous que c'est à eux de le faire. Et donc, dans, dans cette communication récente d'aller faire savoir que les responsables sont la famille Bamana, je dis que c'est trop facile. Parce que moi j'ai quand même des représentants du gouvernement, que ce soit à Mayotte ou à Paris, qui affirment que les choses sont faites et que ce n'est pas le cas. Ce pas une interprétation, c'est la réalité de personne n'a vu cette, cette, cette déclaration d'utilité publique, il n'y a, euh, a rien qui a été entrepris pour l'expropriation, il n'y a pas d'offre financière qui a été faite à la famille Bamana. Donc en fait, à un moment, on ne peut pas laisser penser que c'est une famille qui s'y oppose, parce qu'en fait ces discussions n'ont pas commencé. Comprenez, ce ne sont que des postures publiques, mais la réalité factuelle avec un notaire, avec des avocats, etc., ça n'a pas commencé. Et ça, cette responsabilité, elle est de la famille, elle est de, de, de l'État. Point. Je veux dire, il n'y a pas d'ambiguïté à ce niveau-là. Et la question de, de, du conseil départemental, parce que j'ai lu votre article, la question d'aller dire c'est le conseil départemental qui n'a pas voté, etc., je rappelle ce que je viens de dire, c'est-à-dire que c'est une décision. Du préfet de déclarer que c'est d'utilité publique. Et là, toutes les, les espèces de circonvolutions, les, les, les salto arrière de l'État pour aller dire mais non, mais en fait, c'est au niveau local, ça devrait être le syndicat des eaux. Nous, connaissant le, le feuilleton de cette affaire, la seule constance, c'est que l'État ne veut pas mettre l'argent. Mais pourquoi alors, bah oui, mais 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 alors, bah, Pourquoi l'État en fait, ne veut pas la, mettre l'argent La il faut payer. Ah bah oui. Et qu'en en fait, il y a 20 ans. Oh, c'est souvent ce, ce relativement à, vi à, 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 à vil prix tout de même, non Ah, mais ce terrain, mais même le vil prix d'aujourd'hui, ce n'est pas le même, même vil prix qu'il y a 20 ans. Petit prix. Euh, oui, je, une... oui. Il y a un gars qui pose une question il l'a posée il y a 10 minutes, Je vous la pose tout de oui. suite on va y revenir tout de suite. La retenue collinaire, est-ce que ça va marcher s'il n'y a pas d'eau qui tombe C'est une question simple, c'est une bonne question en fait. C'est-à-dire <laughs> C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'eau qui tombe, en fait, est-ce que cette retenue collinaire, euh, ça sera une bonne solution non, en fait, sauf si on change de, de, de localisation géographique, y aura de la pluie un jour. Hein. Le sujet, c'est quand. Mais s'il n'y a pas de retenue, c'est 80 de l'eau à Mayotte qui, qui part dans le lagon. En fait, nous, on a un problème sur euh, la, la captation de, de l'eau parce qu'il pleut, même si les, les, comment dire, les routes des pluies, les routes des cyclones, le changement climatique, c'est une vraie réalité à Mayotte et dans toute la sous-région. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de pluie du tout. Par contre, il n'y a pas les infrastructures pour retenir cette pluie. C'est pour ça que j'ai parlé des citernes individuelles qui permettent de capter la pluie qui, qui déverserait sur les toits. Et de la même manière, la, la troisième retenue collinaire, compte tenu de l'évolution démographique, c'est un impératif, mais un impératif constaté depuis quelques décennies. Euh, vous avez posé une question devant la représentation nationale, l'Assemblée nationale, euh, à, à vos collègues. Euh, vous avez posé cette question. Les, les Maoris sont-ils sortis de, de la République euh, Il y a Sandrine Rousseau, chez Europe Écologie Les Verts, qui est députée, elle aussi, euh, qui s'est adressée mardi au gouvernement, à l'Assemblée nationale. C'était lors des questions au, au gouvernement. Je vous propose d'écouter la, la députée. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Laissez-moi vous proposer un exercice de fiction. Imaginez la ville de Strasbourg, 270 000 habitants à peu près, privée d'eau deux jours sur trois. Imaginez que lorsque l'eau coule enfin du robinet, elle soit marronasse, qu'elle donne la diarrhée. Imaginez que des enfants n'aillent plus à l'école faute d'eau. Imaginez-vous dans l'impossibilité de vous laver deux jours sur trois. Et pour boire, les habitants de cette ville doivent acheter des packs d'eau entre 6 et 10 euros qui font l'objet de spéculations et peuvent se revendre encore plus cher. Tout cela se passe à Mayotte. Et c'est loin, Mayotte. Très loin. Pourtant, Mayotte. C'est la France. Bien sûr, on peut dire qu'il s'agit d'une sécheresse exceptionnelle, mais ce serait voir qu'une partie du problème. Ce dont il s'agit ici, c'est bien d'une crise de l'abandon par l'État. Faute d'entretien, 40% des fuites d'eau du réseau. Pas de traitement des déchets ni de lutte contre la pollution. Aucune démarche d'association des populations locales pour trouver une solution. Pas d'anticipation par les recherches. La situation n'est pas nouvelle. 29% des résidences à Mayotte n'ont pas accès à l'eau potable, contre moins de 1% dans l'Hexagone. Sans eau, tout est menacé. Bien sûr, le ministre des Outre-mer a proposé 35 millions d'investissements d'urgence, un dixième du coût de l'autoroute A69, quelques bouteilles d'eau, 350 millions investis on ne sait pas quand, dépensement, du déni, à la fin, de l'incompétence. Nous ne l'accepterions pas une seconde dans l'Hexagone. Pourquoi l'acceptons-nous à Mayotte Ma question est simple, monsieur le ministre. Pour le gouvernement, les Maorés sont-ils des Français comme les autres Rousseau, donc député Europe Écologie Les Verts. Est-ce que les maires sont des Français comme les autres euh, On paye nos impôts, on vote et on verse notre sang pour la République comme les autres, oui. Okay. Je ne sais pas pourquoi ça pose question. je pense que le... quand on voit certaines situations, on peut se poser la question si les outre-mer sont. sont... C'est bio... ma question. Oui, oui, c'est ça, bien sûr, bien évidemment. La, la, la question, c'est est-ce que le... ce qui est en retour de entre guillemets, que ce qu'apportent les autres mères à l'Hexagone et à la France Est-ce qu'en retour, on a, su, on a le traitement qui est décent et digne Et euh, pour la dignité humaine, c'est comme tu, tu par, enfin, vous parliez tout à l'heure d'un de de, enfant par exemple, qui, euh, qui, a des, qui a ses besoins et tout et qui doit être changé et nettoyé, ben, c'est de la dignité humaine. Comment on peut laisser des familles dans cette situation Ça n'arriverait pas, je, comme je disais tout à l'heure, dans des grandes villes, elle le dit aussi. Euh, Est-ce que, euh, alors euh, j'ai un ami qui me dit souvent ça, euh, français à part entière ou français entièrement à part, c'est un peu la question qui se pose concernant les Outre-mer parfois il y a Kyle qui nous dit ⁇ ça aurait été quand même bien de mettre la réponse de Darmanin qui n'apporte aucune solution ⁇ Mais justement, Gérald Darmanin a répondu à Sandrine Rousseau, il dit ⁇ c'est la démagogie ⁇ Le ministre de l'Intérieur, qui est par ailleurs le ministre des Outre-mer, qui rappelle que l'armée française a distribué 50 000 bouteilles d'eau aux habitants de Mayotte depuis deux semaines. Et il pointe du doigt le véritable problème à Mayotte qui est lié, selon lui, à la surpopulation. C'était mardi. Est-ce que le problème est lié à la surpopulation Je vous pose ah la oui, question. Parce qu'en qu fait, trois. Madame, euh, Madame Rousseau, euh, charmante. Euh, compare euh, la population de strasbourg à la population de mayotte donc selon l'insee on est 310 000 à mayotte la réalité c'est qu'on est un demi million au bas mot donc oui c'est un problème d'immigration clandestine c'est un problème de surpopulation parce qu'aucune infrastructure publique n'est construite à mayotte euh, en prenant en compte la population réelle c'est d'une mauvaise foi inouïe que de, de, de laisser croire que, euh, comment dire, on est, on est face à une situation classique, normale. Moi, je compare la situation de Mayotte à Lampedusa ou Lesbos, où on est face à une situation migratoire qui est impensable. La moitié de la population à Mayotte est étrangère, la majeure partie en situation irrégulière. Ça veut dire que pour une politique publique, rien ne peut être projeté parce que vous ne comptez pas cette population. Ça veut dire que c'est. Le désert médical dans lequel on est, c'est la surpopulation dans les classes, parce que 80% des élèves dans, mon, dans mes écoles, c'est des, des étrangers qui arrivent par bateau. Donc en fait, vous ne pouvez pas suivre. Vous avez une consommation en eau qui n'est pas la consommation de 300 000 personnes. Vous avez la consommation en eau de 500 000 personnes. Et avec des infrastructures qui sont construites pour 200 000, puisqu'elles n'ont pas évolué, qui sont à la base, qui sont sous-calibrées. Samora ?– Mais la question des migrations, des flux de population, qu'ils soient légales ou illégales, c'est ça, ça, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Avec le réchauffement climatique, on a de plus en plus de, de plus en plus de migrations dues au, au climat, par exemple. Même s'il y a plusieurs raisons qui peuvent pousser à ça, mais dans, dans la plupart des pays, on n'a pas de, ça ne cause pas. Euh, une sous-alimentation en eau des populations et ça ne cause pas ce genre de problème. Est-ce que, est que finalement le, le problème Mais Je pense que ce n'est pas la... du tout la proportion de... Je pense que. Sur... Mmh. Et vous êtes un insulaire. Mmh. Je pense que sur un territoire qui est fini, avec des ressources qui sont finies, la surpopulation, c'est pas du tout la même chose que sur une infrastructure. Quand on a déjà à la base, et ça je ne je, je suis pas du tout ambigu sur la question, la. la... L'équipement en infrastructure à Mayotte est largement déficitaire. Mmh. Il est euh, sous-calibré à la base. Mmh. On est une île qui est sous-développée. Mais quand vous avez un afflux où vous avez la moitié de la population qui n'est pas recensée, qui n'est pas censée être là, qui contribue pas, qui n'est pas compté, et aucune infrastructure qui tient. C'est pour ça que je vous parle de Lampedusa et de Lesbos, parce qu'en fait, on n'est pas le seul territoire insulaire où quand vous avez un afflux démographique que vous ne pouvez pas gérer ces Mayotte n'arrivent plus on n'arrive pas à suivre la consommation en riz la consommation en eau c'est pas pour 300 000 personnes c'est un demi-million mais vous n'avez pas du tout ni la dépense de l'état ni le nombre de fonctionnaires ni la production d'eau rien n'est calculé pour cette population réelle et donc moi d'être dans le déni je ne suis pas en train de vous parler d'une abstraction sur les flux Bien de la sûr. population je vous parle qu'une personne sur deux dans la rue euh, n'est pas n'est pas recensée ne contribue pas une, un, un bien public coûte. Un bien public, on le paye. Donc quand, quand j'ai évoqué tout à l'heure la question des fuites, c'est de la mauvaise foi que de considérer qu'il n'y a pas d'eau dans les bidonvilles. Il y en a. Cette eau, elle n'apparaît pas magiquement. Elle est prélevée. Elle est prélevée sur le réseau public. Il y a Kyle qui dit, euh, mais est-ce que ça justifie qu'on laisse sans eau les habitants C'est certainement pas ce que je viens de dire. N je, il, je, je... il ne dit pas que c'est ce que vous avez dit. Oui, Madame mais la députée. je pense que c'est ce qu'on peut... C'est ce qu pas du tout ce que je dis. Je dis que si on veut faire un diagnostic qui est réel, un diagnostic qui est honnête de la situation, faire abstraction de cette question migratoire, on va dans le mur. On est dans un plein déni. Quand comment, on dire, dit on est 300 000, comment on peut, saisir, comment quand Madame, on peut se, quand se saisir Madame de cette problématique On est 270 000, c'est faux, on est deux fois plus. Alors, il est évident que sur une île comme Mayotte, qui était déjà en souffrance sans le problème de la migration des voisins comoriens, l'arrivée massive ou pas, je ne sais pas, moi je ne suis pas capable de la calculer, mais de, de, de ces migrants, n'a fait qu'aggraver ou que complexité, euh, complexifier pardon, la crise euh, de l'eau, mais aussi des autres infrastructures essentielles euh, que connaît l'île. Mais euh, de toute façon, la question, c'est une question qui doit être effectivement posée au gouvernement français, parce qu'il n'y a pas de problème de crise migratoire, à ma connaissance, en Guadeloupe. En Guadeloupe, euh, une grande partie de la population n'a plus accès à l'eau. Et l'État ne fait rien. En Martinique, il y a aussi, dans le sud de Martinique, des tours d'eau. L'État ne fait rien. Il y a une crise de l'eau en Guyane gravissime. L'État ne fait rien. Donc. Je comprends ce que vous dites sur la crise migratoire, le fait que vous vous sentez submergé. Évidemment, je pense qu'on aurait tous ce sentiment, ce réflexe, si on était, si on vivait ce que vous vivez à Mayotte. Mais c'est juste un élément qui aggrave la crise, mais qui la déclenche pas. Ce qui la déclenche, c'est l'inaction de l'État vis-à-vis d'un certain nombre de ces territoires, et notamment de tous ces territoires ultramarins. Donc effectivement, on peut se poser la question, pourquoi il y a cette espèce d'indifférence? Euh, de l'État, euh, qu'il soit national à Paris ou local à travers la préfecture et ses représentants, vis-à-vis -vis popu de populations qui sont en souffrance manifeste, à, à qui il manque l'essentiel, et qui continuent à dire non, nous, on ne mettra pas un centime de mètre. Ben, dans la gradation, c'est quoi C'est une rupture de continuité du service public C'est un désengagement C'est un ouais. abandon ah ben, L'État s'est euh, désengagé et a abandonné ses territoires depuis... Euh, de bonnes décennies et d'ailleurs on voit bien que dans les évolutions statutaires qui sont envisagées alors pas pour Mayotte mais pour la Guadeloupe et la Martinique l'État souhaite très bien qu'elles prennent une forme d'autonomie pour ouais. pa enfin pas d'indépendance parce qu'on souhaite quand même les garder ça fait partie du patrimoine mais ouais. euh, plus, patrimoine. plus ils sont autonomes plus l'État s'éloigne et plus il peut dire ⁇ Ah, c'est pas moi le responsable ⁇ mieux ça lui conviendra. Mais je ne pense pas que ces évolutions-là aillent dans le sens de l'intérêt des populations. ⁇ Bon, la Guadeloupe ne fait pas... Que, que partie du patrimoine non, français. C'est intéressant ce que, ce, que, ce que vous dites, parce qu'effectivement, ce n'est pas uniquement le patrimoine où, pour mettre bien dans l'armoire la, dans la, dans euh, de dire qu'on a la Guadeloupe. C'est la France. Non, mais aussi, surtout, c'est euh, la position de deuxième euh, puissance maritime mondiale, euh, bah, c'est grâce mmh. aux Outre-mer. Euh, 80% de la biodiversité, elle est aux Outre-mer. Euh, en fait... J'ai l'impression qu'il y a un côté, on est content d'avoir les Outre-mer parce que ça nous fait rayonner la francophonie, ça, ça, nous donne, une, ça donne à la France un une rayonnement international, mais que en fait euh, investir dans ces territoires euh, n'est pas, pas à l'ordre du jour. Alors moi justement j'ai une question en fait euh, pour. Euh, parce que dans, dans le livre, la Guadeloupe sans eau, je crois que c'est dans le livre, ou dans un article, euh, vous chiffrez le, les travaux, par exemple, pour changer, pour renouveler le, le réseau complètement à 2 milliards d'euros. Euh, 2 milliards d'euros qui à mon avis, à l'échelle de la France, c'est pas non, pas un budget de et, pourtant, et quand on regarde les, 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 ce qui est pris comme décision, c'est toujours des, des 20 millions ici, des 10 millions par là. Est-ce Qu'est-ce qui fait que, à votre avis, il euh, n'y euh, a euh, pas de... C'est comme pour Mayotte. <laughs> c'est comme pour Mayotte, il faudrait un plan Marshall. Oui, voilà. C'est-à-dire on met suffisamment d'argent pour faire des travaux en 5 ans, pour tout réparer, remettre ouais. à niveau et faire en sorte que les problèmes s'arrêtent. Y compris en mettant des mesures d'urgence pour que les gens aient de l'eau au quotidien. Hum. Euh, et donc euh, les, les, les deux milliards, c'est parce qu'en en fait, il faut reconstruire à la fois les réseaux d'eau et les réseaux d'assainissement, mmh. C'est un milliards chacun, et en fait. C'est même un peu, c'est en fait un peu plus. C'est plutôt autour de 2 ,5 milliards 5 parce que, à, à, comment, en Guadeloupe, il y a sur la partie est de l'île, donc qu'on appelle Grande Terre, il y a des forages. Mmh. Ces forages ont été mal faits et euh, aujourd'hui il y a une introduction d'eau de mer qui est en train de saliniser ces, ces, ces puits et donc il va falloir les abandonner et refaire de nouveaux forages. Donc euh, la facture augmente aussi avec le temps. C'est ça qui est fou. Mais euh, c'est ça encore une fois. C'est il y a l'argent qui est disponible en France. Il n'y a pas de problème. Les mmh. banques sont prêtes à prêter. L'Europe peut investir, elle aussi, à des enveloppes pour ça. C'est une décision et c'est la volonté de l'État d'investir dans les infrastructures, que ce soit aux Antilles ou euh, dans l'océan Indien et, où, et, et à Mayotte. Et il n'y a que lui qui peut déclencher cette décision. Si mmh. lui la prend... Ça pourra se faire. Le... S'ils refuse de la prendre, je ne vois pas comment, on, uh, malheureusement, ces îles pourront s'en sortir. 2 milliards d'euros, ça vous a fait rire, madame la députée Non, 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 c'est pas ça. Non, je pensais que, que, que vous alliez me donner la parole en disant euh, oui, c'est comme c'est le projet de loi de finances, euh, est-ce que ah. vous allez dé, dé, déclencher les fonds euh, Je rappelle que la, le, le Parlement ne peut pas déclencher de dépenses, on ne peut que valider les dépenses dé, dé, décidées mmh. par le gouvernement. De, fermeture mmh. de cette mmh. parenthèse un peu technique, mais quand même assez importante. Assez mmh. important, okay. assez important, assez important parce que, 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 que quand il y a eu le débat de, de, du projet de loi de finances sur la partie euh, programme Outre-mer, tous les, les élus ultramarins euh, à l'automne dernier avaient euh, voté des crédits de dépense et on avait été euh, euh, comment dire. Euh, euh, renversé par le gouvernement qui avait dit, ben non, certainement pas, vous ouais. ne pouvez pas dépendre. Mais pour répondre à la question qui a été posée, je pense effectivement qu'on est dans un sujet, un moment historique où en fait la France aime ses territoires d'outre-mer tant que ce sont des territoires d'outre-mer. Mais ces populations sont invisibles et invisibilisées, politiquement, euh, dans notre dignité, dans nos droits. Et ça, c'est une rupture qui en fait... Euh, elle est ancienne, elle a un passif historique qui rend les nouvelles générations euh, euh, très inconfortables, qui euh, rend les plus anciennes euh, souvent amnésiques de manière assez confortable. Mais euh, sur le fond, ce qui change, ce sont les nouvelles technologies, ce sont les diasporas, ce sont le fait que ces populations se déplacent et se font entendre. Le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir euh, Paris qui utilise les territoires comme des tremplins d'une France où le soleil ne se couche jamais, mais ignore les revendications et les droits de ses habitants et leur histoire et euh, leurs demandes. C'est ça, en fait, la collision à laquelle on assiste, c'est ça. C'est-à-dire que ça devient, et pourtant ça fait des décennies que ça dure, mais là maintenant, c'est l'Hexagone qui découvre que, que, que ses, ses compatriotes... Euh, ultramarins, que ce soit euh, aux Antilles ou à Mayotte, vivent dans ces conditions-là. Et en, moi, je pense que c'est porteur d'espoir, parce que c'est une indignation, en fait, qui crée beaucoup de solidarité dans l'Hexagone. C'est certainement pas parce que la situation est grave à Mayotte que ça bouge. C'est parce que les métropolitains s'en indignent. Mm. C'est ça qui change. C'est parce que nous, Maoré, on a vu ce qu'il se passe depuis des décennies en Guadeloupe, qu'on a dit il est hors de question qu'on tolère et qu'on ait la patience de nos amis guadeloupéens. En fait, on s'est dit, mais il n'est pas question, ça fait des années que la société civile à Mayotte se mobilise et le fait savoir, c'est pour ça qu'on arrive à ce niveau de communication et de conscientisation. Et donc, le moment historique qui change, moi pour moi, effectivement, euh, la l'intensité la, de, de l'indignation publique, L'intensité de l'indignation au niveau euh, international, parce qu'en fait, l'Europe, elle regarde. Moi, je témoigne devant la Commission européenne qui dit Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de l'eau Ça rend le Quai d'Orsay et l'Elysée fumasse. Mais en fait, c'est nous, notre indignation, ça, ça leur en touche une sans faire bouger l'autre, pour reprendre une expression présidentielle. Mais par contre, que Bruxelles, que Bruxelles aille leur dire. Mais qu'est-ce que vous foutez Ah bah là tout de suite ça bouge. Donc en fait ça, ça pour nous, ultramarins, c'est très très important. Et je pense qu'on crée des précédents. Par exemple aux Antilles, euh, il n'y avait jamais eu d'effacement de facture comme vient de l'annoncer ouais. euh, la première ministre Borne pour Mayotte. Je suis convaincu et j'espère que ce sera utile pour nos amis aux Antilles. On l'espère. Oui. Samora je te file la parole immédiatement après il y a Thierry qui voulait réagir, après oui. je te passe la parole et après je vois que l'heure tourne et oui. je vais vous libérer parce que je vous ai promis <laughs> de vous libérer à 19h et on a tous un emploi du temps un peu, un peu stretch Thierry Je voudrais compléter le propos de madame la députée sur l'impact international parce qu'aujourd'hui effectivement la commission européenne commence à demander des comptes à la France mais l'ONU aussi commence à demander des comptes à la France la question des territoires ultramarins de la France est examinée de façon extrêmement sérieuse par les différents comités de l'ONU. Il y a en ce moment des auditions. Il y a eu des auditions devant le comité des droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU. Et je peux vous dire que les experts ont passé sur le cri la France et lui ont demandé des comptes, que ça soit sur Mayotte ou sur les Antilles, que et la Guyane aussi, sur l'eau, sur l'assainissement, sur l'accès à l'éducation, sur la petite enfance, et que. Ces pressions-là vont peut-être amener le gouvernement à bouger enfin. Mais il y a quand même une information que je vais vous donner, c'est que en, il y a maintenant 50 ans, la France a signé Convention européenne des droits de l'homme. De ses applications, elle en a exclu les territoires ultramarins. Il faudrait peut-être que ça cesse. C'est Moral, le mot de la fin. Non mais en fait euh, c'est intéressant ce que, ce, que vous dis, ce que vous disiez sur euh, l'indignation euh, hexagonale qui suscite des, des changements et des évolutions. Des, des euh, c'est pour ça qu'on a lancé euh, le jeu vidéo, parce qu'on s'est dit bah, en mmh. fait euh, ça reste entre nous dans nos bulles et il faut trouver un moyen de, de susciter l'intérêt euh, et de faire parler les gens hors de nos bulles d'ultramarins. Mais c'est quand même... Euh, Triste de devoir en arriver là. Normalement, euh, quelqu'un qui est doté d'un cœur, qui voit ce qui se passe, ben, normalement, il prend des décisions dans le sens. Et pas parce que les populations commencent à lui dire euh, euh, aux portes de, de l'Elysée euh, ou de Matignon, il euh, faut faire quelque chose. Donc euh, c'est quand même triste sur les, la façon dont sont traités et sont vus euh, la parole des, des, des populations d'Outre-mer. C'est le mot de la fin. Il est 19h passé de 2 minutes à 10 secondes. Euh, merci à nos trois invités. Merci Madame la députée. Merci Thierry. Merci Samora. Merci, merci d'avoir passé euh, cette merci. petite heure. C'est trop court, bien sûr. On aura l'occasion d'en reparler, heureusement ou malheureusement, euh, de Mayotte, de la Guadeloupe, de la, de la pénurie euh, de l'eau. Merci aussi à Cyril et à Pascal à la régie, à Stéphanie au visuel. Merci à Mathis à la programmation. Mathis qui va peut-être nous dire de quoi on va parler euh, lundi, parce que le prochain stream, c'est lundi prochain de 18h à 19h. Bonsoir Mathis. Bonsoir à tous. Du coup, on se retrouve lundi prochain, 18h-19h. On va parler d'un autre sujet qui est l'endométriose. Ça nous tenait à cœur d'en parler, car ça concerne quand même une pathologie qui concerne 10% euh, des femmes à l'échelle mondiale, soit 1,5 millions de personnes en France. Donc, on va vraiment consacrer l'émission à l'endométriose, avec des femmes qui vont justement pouvoir parler de, de leur souffrance et on va chercher à briser le tabou. Donc, on, sera, on parlera de ça lundi, 18h-19h. Merci Mathis. Et pour ceux qui veulent revoir le stream de ce soir, il est dispo dans une minute sur Twitch et sur la page replay de l'émission, sur le site de France Info. Le site de France Info, c'est franceinfo.fr. Pour ceux qui veulent prolonger la discussion, rendez-vous sur Discord. Il y a le lien dans le chat que Julot ne va pas manquer de vous poster. Pour ceux qui veulent réécouter ré 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 le avec les oreilles, donc vous retrouverez tout ça dans un instant en podcast sur la plateforme de Radio France. Pour l'heure et pour le reste, rendez-vous donc lundi de 18h à 19h. Pas vraiment de bonheur, mais bien sûr de bonne humeur. Je vous souhaite une excellente soirée, un excellent week-end qui va vite arriver et à la semaine prochaine. Salut.